Bonjour chers amis, hello good people. Aujourd'hui, recette du tiramisu aux fraises. Alors, recette hyper simple, comme d'habitude avec moi, hein, on simplifie les choses au maximum. Je vous promets que c'est la meilleure des recettes hein, que j'ai testées. Celle-là est vraiment excellente et quand même très très simple. Alors, venez. Pour notre tiramisu, on a besoin de mascarpone, de sucre, de jaune d'œuf, de l'eau. Trois jaunes d'œufs. Oui, comme d'habitude, les proportions vont s'afficher et de crème fouettée, légèrement fouettée. D'accord. Et des Donc, fraises. pour commencer, je vais mettre l'eau et le sucre à bouillir dans une casserole. Voilà. Je vais mettre mes jaunes. Le feu sur combien là? Ben, le feu est au maximum, hein. Il s'agit juste de faire bouillir Oui. l'eau, hein. Je mets D'accord. mes jaunes dans le bol de mon batteur, voilà. D'accord. Hein? Et en fait, ce qu'on fait là, ça s'appelle un appareil à bombe. Hein? Il s'agit donc de faire mousser les œufs avec le sirop bouillant. Hein? Ce qui permet aussi de stériliser un petit peu vos œufs. Hein? Tuer les microbes et tout ça. Donc D'accord. là, ça va aller assez vite. Hein? Dès que le sirop arrive à ébullition, hein, je verse le sirop bouillant sur les jaunes d'œuf, Tout en remuant. tout en remuant. Voilà. Et à ce moment-là, je vais mettre ceci à battre en troisième vitesse. Et ça sert à quoi? Et donc ça, maintenant, si vous voulez, les jaunes vont monter et vont refroidir en même temps. Hein? On va avoir une mousse très légère. Donc pendant combien de temps? Ben, pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce que ce soit froid, jusqu'à ce que c'est monté. Hein? D'accord. Pendant que mes jaunes blanchissent, voyez, ils deviennent bien blancs. Je vais faire une petite décoration. Donc, je vais présenter mes petits tiramisu dans des verres. Et là, j'ai fait fondre un peu de chocolat et je fais une petite trace au pinceau de mon verre. Comme ça. Vous voyez? Voilà. Ça va amener un petit peu d'originalité sur mon dessert. Tac, je passe dedans et hop, c'est tout simple. C'est à la portée de tout le monde. Voilà. Sont bien blanchis, ils ont bien monté, ils sont assez fermes, vous voyez. Hein? Donc, je peux procéder au mélange. Point important de la recette, votre mascarpone, sortez-la une heure avant de faire la recette. Elle doit être un petit peu détendue, quoi. Sinon, vous la travaillez un petit peu au bain-marie, sur un bain-marie tiède. Donc là, je vais mettre mes jaunes d'œufs, tout simplement, dans la mascarpone. Donc jaune d'œuf et sucre là, non? Donc moi, Hein? oui, Et sirop. mon appareil, bon, ben, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, je mets ça ensemble. Tac, tac. Le fouet, j'en ai plus besoin. Et je vais mélanger en passant par le centre. Voilà. Soda là, hein? Lorsque le mélange est bien homogène, je rajoute ma crème fouettée, cette fois-ci en deux ou trois fois. Recette très légère. En deux ou trois fois, n'est-ce pas? Regardez. Pour éviter le choc thermique. Ça, c'est un procédé qu'on utilise dans toutes les recettes de pâtisserie. On y va progressivement avec les températures. Comme les blancs d'œufs. Oui. Ou pas non Et plus. d'ailleurs, puisque tu parles de blanc d'œuf, Christine. Et au fait, mais c'est Christine qui filme. Oui. Bonjour, Christine. Bonjour, Pat Baroque. Un internaute qui m'a sorti une phrase philosophique, un proverbe pâtissier, Ah oui. loin des yeux, loin du beurre. Eh bien, merci pour cette phrase, cher collègue. Non, c'est loi des œufs. Loin des œufs, loin du beurre. Eh Merci, Christine, pour la correction. Voilà. Et regardez, ça y est, ma mousse mascarpone est prête. Ah. Alors, avec ça, vous voyez, nous, on prend quelques libertés. On fait un tiramisu aux fraises. Mais vous faites un tiramisu après à n'importe quoi, ce que vous voulez. Au café,
aux framboises. C'est la recette de base qui est importante, hein, cette masse de base qui est vraiment très très bonne. On va procéder au montage. Vous savez comment c'est, on n'a pas toujours le temps, la maison, faut faire plein de choses, etc. Donc, moi je vais mettre, pour amener un petit peu de croustillant sur mon dessert, je mets un petit peu quelques céréales au fond de mon verre. Hein, on va... Quelques-uns, bah dis donc. Voilà, ça m'apporte le croustillant, sympathique. On va commencer par le fruit en dégustant. Voilà, j'en mets un petit peu à côté. Voilà, pour bien montrer que tout ça est réalisé sans trucage, n'est-ce pas? D'accord. Voilà, et je vais remplir, pour remplir proprement, je prends une poche, un sac en plastique. Voilà. J'ai ma douille. Je ferme ma poche en enfonçant la poche dans la douille, comme ça. Et je vais, à l'aide d'une corne, l'instrument du Tu pâtissier, vas trop vite. je vais remplir mes verres. Je ferme la poche, je fais deux petits tours, j'ouvre et je vais mettre la mascarpone dans le verre. Bon, si on le fait avec une cuillère, on peut aussi. On peut aussi, si on n'a pas de poche, bien sûr. Mais la poche, ça permet de travailler vraiment proprement. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Et pour finir, simplement, quelques fraises au-dessus. Donc on laisse se noyer à la surface de la crème mascarpone. Ok, jeune Padawan, il s'agit maintenant de finir la chose. Alors, moi j'ai pris un petit peu, je suis allé faire un tour dans mon jardin, bah, j'ai pris un petit peu de mélisse. Ça ressemble à la menthe, hein, un petit peu, Ça légèrement. ressemble vaguement à la menthe ou à l'ortie. J'ai pris une petite tête d'aspérule odorante. Et j'ai trouvé aussi du thym fleuri qui regarde très joli. Et voilà. Facile, ça. Voilà. Ah oui, c'est très Voilà. Un petit mignon. dessert. Très joli. Vraiment J'aime bien le chocolat aussi à côté. vite fait, bien C'est joli. fait. Comme dirait Bria Savarin, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. D'accord, donc tu es qui, toi? Moi, c'est Albaroc. Voilà. Ciao!